Donc voilà, alors moi j'ai terminé donc la formation de l'oncologue après une première boutonnière, une, deux, trois, quatre, cinq. On réalise la deuxième, une, deux, trois. Il me reste deux barres au point de mousse pour réaliser la troisième boutonnière. Et donc pour le tout, 21 mailles au total pour le devant, 35 mailles pour la manche. 44 mailles pour le dos. On va zoomer un peu. Okay, pour la suite. Donc, je vais tricoter les 8 mailles au point de mousse. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez voir, le motif il est bien aligné. Alors, on fait donc 3 mailles ensemble. Une fois, le fait le jeter et on pique de nouveau. 3 mailles, 4, 5, 6, plus 3 mailles, ça me fait 9 mailles, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Le jeté en pique de nouveau 15 mailles, 16, 17, 18 mailles, 19, 20 et 21 mailles au total. Ici, pour le premier devant, donc vous avez 21 mailles. Alors cette fois-ci, donc je vais laisser 2 mailles, 1, 2, les mailles de la manche, donc vous avez 35 mailles, plus 2 mailles, 35, 36, 37, 38, 39 mailles au total pour la manche. Donc on va laisser les deux mailles donc de séparation, on va les rajouter aux mailles de la manche. Et donc je vais laisser toutes les mailles de la manche, je vais les laisser en attente. Alors, vous pouvez utiliser un petit bout de fil ou bien vous prenez une épingle. Alors, vous vous en servez pour laisser vos mailles en attente. Les deux mailles, je vais les récupérer ici. Si je ferme le tout. Alors, ici pour la suite, donc pour avoir toujours le point, le motif de notre point ajouré, ici, réagissez, on va voir les mailles que nous avons pour le point. 3 mailles, 3 mailles, j'ai une maille du libre. Donc, ici j'ai 3 mailles ensemble, donc je vais rajouter, j'augmente une, 2 mailles, 2 mailles, 3 mailles ici. Alors je vais faire en sorte que je puisse avoir le motif ajouré. Donc si je vais décaler de 3 mailles, je vais voir ça tout à l'heure. Alors, on va voir, j'ai 2, une maille, j'ai augmenté de 2 mailles, j'ai fait 2 mailles, 3 mailles ensemble. Si, tout à l'heure, j'avais, alors, excusez-moi, 3 mailles ensemble.
Donc, je vais augmenter de 1, 2, 3, 3 mailles, 1, 2, 3. Je regarde 3 mailles ici parce que je vais tricoter donc les 3 mailles. Si je vais créer sur dans cette maille, je vais créer donc 3 mailles ensemble. Donc j'augmente de au total de 5 mailles. Donc 3 mailles augmentées parce qu'on a recréé 2 mailles, ça me fait 5 mailles augmentées sous la manche. Donc là, c'est pour avoir le motif, donc le point ajouré juste. Pour ne pas avoir donc des mailles qui vont se décaler. Donc on augmente de 3 mailles et dans la maille restant dans la maille libre, on va créer 2 mailles nouveau. Et on continue. On récupère donc pour le dos 44 mailles. 44 mailles pour le dos, tout en continuant donc de réaliser le motif point ajouré. 3 mailles ensemble, on pique, on fait le jeté, on pique de nouveau dans les 3 mailles. Fait 3 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble une fois, le jeté une troisième fois, 3 mailles tricotées à l'endroit et 3 mailles ensemble, ici 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Ceci, 3 mailles, 3 mailles tricotées à l'endroit, ici 3 mailles ensemble, une fois le jeté, on pique dans les 3 mailles. Alors, oui. Si vous avez une maille comme sous la première manche, okay, on va voir. Donc, je vais d'abord laisser. Donc, je remets cette maille, je vais la récupérer après. Le temps donc de mettre en attente les mailles de la manche. Continuer. Parfait. On va laisser donc 35 mailles plus 4, 39 mailles pour la manche. On va laisser en attente. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser un petit bout de fil ou bien vous prenez une épingle pour donc laisser les mailles en attente qu'on va travailler après. Et on ferme. Donc ça, j'ai 3 mailles. Voilà. 3 mailles. J'ai une maille de libre, donc j'augmente une maille, ça me fait 2. Et 3 mailles. 3 mailles donc. 3 mailles. 3 mailles ensemble. 3 mailles tricotées à l'endroit. 6, j'ai aussi une maille. Donc comme pour donc, sous la première manche. Si j'ai 3 mailles.
et fais donc alors c'est 3 mailles, j'ai une maille, je vais créer donc une maille une fois, le jeter et je pique dans la maille pour avoir 3 mailles. Comme j'ai fait sous la première manche et je décale, donc je tricote les 3 mailles à l'endroit avant de terminer avec le motif du point ajouré normalement. Donc au total, on a sous cette manche, on a augmenté de 4 mailles. La première, on a fait 5 augmentations. Ici, on a fait 4 augmentations. 3 mailles tricotées à l'endroit. 3 mailles ensemble une fois. Le jeter et on pique de nouveau dans les 3 mailles. On fait 1, 2 et 3 mailles. Comme j'avais dit au début, donc on aura les 2 mailles qu'on va toujours tricoter à l'endroit. Ici, une et 2 mailles, et on termine par les 8 mailles de notre bande bordure. Voilà comment donc on va joindre les 3 parties. Pour le reste, on va réaliser le point ajouré. Voilà. Donc on a divisé, on a partagé notre travail. On a laissé les mailles de la manche, les manches en attente. À partir de là, donc, on va continuer droit au point ajouré. Donc, comme toujours, la rangée retour, c'est toujours à l'envers. On va tricoter toutes les mailles cette fois-ci à l'envers. Alors pour les boutons, pour réaliser donc des boutonnières, c'est toujours 5 barres au point de mousse. Vous réalisez une boutonnière, vous faites 5 barres au point de mousse, vous réalisez une boutonnière, c'est jusqu'à la fin de notre réalisation. Donc, au total, on va en réaliser 5 boutonnières. On va travailler ainsi pour cette partie. Voilà, donc pour la rangée retour, en terminant la rangée retour, cette fois-ci, vous n'aurez pas de problème. Alors, comme j'avais dit au début, le point, il est très simple. Il est facile à réaliser. Il suffit donc de faire attention lorsque vous allez partager les différentes parties de notre gilet. Alors donc pour la suite ici, vous avez donc la marche à suivre pour la réalisation de cette partie. Vous prenez les mailles de votre point ajouré comme vous pouvez le voir. Alors là c'est très simple. Donc on finit cette partie avec la réalisation des 5 boutonnières. Réalise donc la deuxième partie. On fait 8 mailles tricotées à l'envers. 2, 3. Ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Une boutonnière, 1, 2, 3, 4. Je vais faire donc la cinquième barre avant de réaliser la troisième boutonnière. Ici, on va décaler de 3 mailles. Une, deux, trois. 3 mailles tricotées ensemble. Une fois le jeté, on pique de nouveau dans les 3 mailles. On fait 3 mailles tricotées à l'endroit. 3 mailles ensemble.
trois fois, trois mailles tricotées à l'endroit, trois mailles ensemble une fois, on fait le jeté, on pique de nouveau dans les trois mailles, on fait trois mailles ensemble, pardon, à l'endroit. Vous pouvez voir ici, donc j'ai trois mailles ensemble, une fois le jeté, on pique de nouveau dans les trois mailles et on fait trois mailles à l'endroit. Voilà, donc là je réalisais la rangée pour notre point ajouré normal. Donc, vous allez prendre les mailles comme vous voyez, on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà ce que ça nous donne. Résultat. Alors il faut bien exécuter le point ajouré donc pour avoir le motif bien aligné comme moi ici. Alors, vous pouvez voir. Alors le tout c'est de bien réaliser donc les augmentations sous la manche comme j'ai fait tout à l'heure et vous aurez donc le même résultat. Alors donc moi au total je mesure depuis le col, depuis la première rangée, donc je suis à 33 cm au total. Voilà. Donc 33 cm au total. Et si je prends des mesures sous la manche, je suis à 18 cm au total sous la manche. D'accord? 18 cm au total sous la manche et à 33 cm au total depuis la première rangée. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, une boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, une boutonnière, 5 boutonnières, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, la troisième boutonnière, 1, 2, 3, 4, 5, vous réalisez donc la quatrième boutonnière. En fait, je suis à cette rangée. Donc, je vais monter donc 1 barre. Fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là je passe aux aiguilles numéro 3 et demi. Okay. 3 et 4. Je peux laisser tomber ici. Enfin, si je fais une maille à l'envers, c'est donc je vais faire deux mailles ensemble, tricoter à l'endroit. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deux mailles ensemble à l'endroit. Je fais donc une maille à l'envers une fois, deux mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuvième maille, vous faites deux mailles ensemble. Donc vous allez répéter cette séquence. Vous faites 8 mailles en compte de 1 à 1. Vous faites deux mailles ensemble. Et cela sur toutes les mailles, sur toute la rangée.
Et voilà. On réalise cette séquence 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble sur toute la rangée. Donc ici, on va terminer par une. Donc après les 2 mailles tricotées ensemble, on fait 2 mailles en prenant donc la maille qu'il faut tricoter, travailler à l'endroit ou bien à l'envers. Vous faites 2 mailles ensemble et vous terminez par les mailles en côte de 1 en 1. Voilà ce que ça nous donne. Donc ici on va monter 12 rangées en côte de 1 en 1 avec des aiguilles numéro 3 et demi. Donc après avoir réalisé quelques diminutions, on va monter 12 rangées en côte de 1 en 1. Donc à partir de là, vous allez prendre les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, et vous allez monter donc au total 12 rangées. Et voilà donc les 12 rangées terminées en côte de 1 en 1. Donc vous avez cet effet élastique. On va terminer la 12e rangée avant donc de passer à la dernière partie. Donc on va arrêter le travail. Voilà ce que ça me donne pour cette deuxième partie. Voilà. Alors je vais prendre un crochet numéro 3 et je vais donc procéder à l'arrêt donc de toutes les mailles avec mon crochet numéro 3 et je vais pas trop tirer sur le fil, sinon le travail va être un peu tendu à la fin. Donc on fait cette partie, on le fait très doucement. On va arrêter toutes les mailles de cette manière avec un crochet. Voilà. Alors, c'est comme j'avais dit au début, pour le point ajouré, il est très simple. Vous allez réaliser le point ajouré comme il le faut. Alors, on va terminer. Deuxième partie. On va terminer cette partie et on va passer donc à la réalisation des manches. Alors, là aussi, ça va être très facile. Terminer cette. Quelques dernières mailles avant de finir cette partie. Ici, je vais laisser un bout de fil. Donc le bout de fil, je vais le cacher avec une aiguille entre les mailles. Bon, je suis désolée, je travaille dehors. Des motos qui passent. Alors donc voilà terminé la deuxième partie. C'est très facile à réaliser. Donc là je vais passer à la pose des mes petits boutons. J'en ai 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et le cinquième bouton. Je vais les poser avant de passer à la réalisation des manches. Et voilà le travail. Donc après la pose de mes boutons. Voilà. Très facile et très rapide. Voilà donc cette partie terminée, on va passer à la dernière partie, donc la réalisation des manches.
Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Le point, il est facile à réaliser, hein. Il suffit de faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai séparé le travail avec les augmentations des manches et la suite du point à jour. Donc, pour avoir un motif bien aligné, faites attention lorsque vous allez augmenter les mailles et lorsque vous allez diviser de tout. Alors, pour la réalisation des manches, aussi c'est facile. Vous avez déjà le point à jour qui est commencé. Donc, vous allez suivre les rangées. C'est ça. Alors là, je prends des aiguilles numéro 5. Je vais replacer les mailles que j'avais laissées en attente sur mon aiguille numéro 5. Donc, vous avez 35 mailles plus 2 mailles de chaque côté, vous avez 39 mailles au total. Alors, pour les 39 mailles pour la suite, voyez, on va zoomer un peu. De cette manière, vous allez bien 3 mailles, 3 mailles, 3, 3. 3 mailles, 3, 3, 3, ça me fait 3 mailles. Voilà. Allez, comptez les listes. Donc, vous avez 3 mailles de chaque côté. Ici. Alors, pour la manche, je vais faire comme ceci. Donc, je fais 2 mailles, augmentation de 2 mailles, 3 mailles. Et 4. Donc la quatrième maille, c'est la maille lisière. On augmente 4 mailles au début de la rangée. Ici, je vais fermer un peu on va réaliser un petit nœud. Donc pour la manche, vous avez une maille lisière. Donc j'ai augmenté de 4 mailles, 3 mailles pour le point ajouré et une maille lisière. Donc, je vais début, je vais tricoter encore la première maille lisière. Alors ici, il faut bien regarder le motif. Donc je suis à faire donc 3 mailles ensemble directement la première rangée du point ajouré. C'est 3 mailles ensemble une fois le jeté et je pique dans les 3 mailles. Ceci. 3 mailles, je vais tricoter les 3 mailles à l'endroit. On fait ça. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai 3 mailles tricotées ensemble une fois le jeté. On pique de nouveau dans les 3 mailles. Alors, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Donc, je vais défaire cette partie jusqu'au début. Voilà. Alors, voyez, à ce point, il est très facile à travailler. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait une petite erreur, il suffit de défaire pour recommencer. Donc j'ai fait encore, au lieu de 3 mailles ensemble, je fais 3 mailles tricotées à l'endroit. 3 mailles ensemble une fois le jeté et je pique dans les 3 mailles. Je fais 3 mailles à l'endroit et oui, c'est cela, je suis allée un peu trop vite. Et voilà. Donc, 3 mailles ensemble, une fois, le jeté, on pique de nouveau dans les 3 mailles, les 3 mailles à l'endroit, et voilà, ça c'est juste parce que
J'ai failli commettre faire une petite erreur. Fais 3 mailles à l'endroit. Trois mailles tricotées ensemble, une fois le jeté et on tricote une deuxième fois. Voilà. Trois mailles à l'endroit. Trois mailles ensemble, une fois on fait le jeté, on pique dans les trois mailles. On fait les trois mailles à l'endroit. 3 mailles ensemble, le jeté, on tricote les 3 mailles de nouveau, on fait 3 mailles tricotées à l'endroit, ici je vais faire 3 mailles ensemble, une fois je fais le jeté et je pique de nouveau dans les 3 mailles, voilà. Alors, comme au début, je vais augmenter 1, 2, 3 et 4 mailles, donc la maille lisière. Donc pour la rangée retour, on va faire la même séquence, donc la même rangée. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. On tricote toutes les mailles à l'envers pour la deuxième rangée. Pour la manche, on va augmenter de 10 mailles, donc 4 mailles de chaque côté. Donc vous avez 49 mailles au total pour la manche. On fait donc cette partie, on tricote toutes les mailles à l'envers et on va réaliser donc la deuxième rangée. Alors ça sera la même chose pour les deux manches. Ce que je fais, ça va être la même séquence pour les deux manches. Voilà. Donc pour la deuxième rangée, la réalisation donc de la manche, vous avez toujours une maille lisière. Donc ici je vais faire donc 3 mailles ensemble, une fois le jeté, on pique de nouveau dans les 3 mailles. Voici. 3 mailles tricotées à l'endroit et on fait donc la séquence 3 mailles ensemble, une fois le jeté, on pique dans les 3 mailles. 3 mailles tricotées à l'endroit. Et on fait donc la séquence, comme j'ai dit, on répète la séquence jusqu'à la fin. Donc 3 mailles tricotées à l'endroit. Sinon, on va oups. On fait donc 3 mailles ensemble, une fois on fait le jeté et on pique de nouveau dans les 3 mailles et on termine par la maille lisière.
Voilà, donc lorsque vous aurez réalisé des augmentations, vous pouvez donc travailler, réaliser donc votre manche tranquillement. Réellement répéter les deux rangées. Ferme un petit bouton. Donc, on va réaliser les deux manches. La première manche avant de réaliser donc la deuxième manche. Voilà. Vous pouvez voir, le motif, il est bien aligné. Je dis tout à l'heure, faites attention simplement à la lorsque vous allez augmenter. Alors, pour la manche, vous allez travailler. Donc, 18 cm à la première rangée, lorsqu'on a fait donc les augmentations, vous travaillez 18 cm. Lorsqu'on aura monté les 18 cm, on va passer aux aiguilles numéro 3 et demi. Des aiguilles numéro 3 et demi, on va donc réaliser le point de côte. Donc, on va réaliser donc le poignet et on fait donc une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une fois, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, on fait deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une, deux, trois, on fait deux mailles ensemble tricotées à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, fait 2 mailles ensemble tricotées à l'envers. Une maille, 2, 3, 4, 5, on fait, pardon, 6, 7, 8, 9, deux mailles ensemble à l'envers. Ici, une maille, deux mailles, une maille à l'endroit, on fait deux mailles tricotées à l'envers et on termine par une maille à l'endroit. Donc voilà les diminutions réalisées et on va monter 12 rangées au point de côte de 1-1 pour donc le poignet. On va monter 12 rangées au point de côte 1-1. Voilà, donc j'ai terminé. Tout à l'heure, j'ai travaillé, j'ai fini
la manche hors caméra parce que j'avais un problème avec les soleils qui frappent très fort, comme vous pouvez les voir sur les images. Donc, vous montez 12 rangées, après vous arrêtez le travail avec un crochet, donc le crochet numéro 3. Alors, pour la couture, c'est simple. Vous allez réaliser la couture comme ceci. Donc, les 5 mailles, pardon, les 4 mailles augmentées, vous allez les coudre de cette manière. Vous allez faire une couture invisible comme je le réalise ces derniers temps. Ici. Vous avez les 4 mailles augmentées. Là, vous avez votre manche qui se présente comme ceci. Alors, donc, lorsque vous aurez terminé avec la couture, posez les boutons, les petits boutons, comme vous pouvez voir la manche, comme ceci. Et sous la manche, comme j'ai dit, vous allez plier les 4 morceaux. C'est pour facilement bouger le bras pour le bébé. Alors donc voilà chers amis, ce que ça donne comme résultat après la couture et les deux fleurs que j'ai posées. Donc les fleurs c'est très facile à réaliser, comme vous pouvez les voir, c'est pas des fleurs compliquées, c'est très facile à faire. Donc voilà notre gilet terminé. Et comme c'est un ensemble, le prochain tutoriel, donc ça sera une salopette. Après, ça sera donc une paire de chaussons pour accompagner le tout. Chers amis, donc je vous dis merci. Merci beaucoup donc d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous partager. Et encore merci pour vos messages et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre ensemble. Je vous dis bien des choses et surtout portez-vous bien. Et encore merci.